Et Eddie, je les connais par le biais du catch. Oui, on a fait du catch. Après cette intro digne d'un film de Luc Besson, d'ailleurs Luc Besson si tu es mon numéro c'est le 079-905. Bref, suite à de nombreuses questions parmi mes abonnés qui me demandaient si vraiment je faisais du catch, parce que tout le monde se foutait de ma gueule, donc il est temps que je vous montre tout ça. 2012 j'avais à peine 18 piges et je voulais faire du catch parce que je suis un grand fan de catch. Du coup j'ai vu qu'il y avait une école à Genève et j'y suis allé. D'ailleurs c'est Thomas qui m'a accueilli le premier. Et après, bah, j'y suis resté. J'ai fait du catch pendant un moment. Après, là, j'ai arrêté parce que j'avais arrêté parce que mon boulot m'empêchait de le faire. Et actuellement, je suis toujours dans la sauce, mais je fais plus de catch. Il n'y a pas d'image de mon premier show, malheureusement. C'est pas grave, je vais vous montrer mon deuxième show. Donc voilà, là, c'est pas le match complet, c'est le résumé. Hein, ça sera plus simple pour moi. Hein. Hey, beau gosse ou pas? Beau gosse ou pas? Move, bitch! Ne me jugez pas. Attention, regardez qui arrive. Qui c'est qui me sauve la vie encore une fois? Ah, Thomas et Edix. Regardez-moi ça. Oh là là. Regardez-moi les beaux gosses. Ouais, j'ai toujours aimé faire les fucks, un truc comme ça. Et du coup, grâce à Edix et Thomas, j'ai gagné mon tout premier match. En fait, du coup, c'est pas le deuxième show que j'ai fait, c'était le troisième en fait. J'avais perdu deux fois et là, j'avais enfin gagné. Alors là, cette promo, ma première promo que j'ai fait avec Torque, beaucoup de gens se foutent de ma gueule pendant très très longtemps. Même maintenant, je crois qu'on a fait ça voilà, en 2013. Ça fait donc déjà 4 ans. N'empêche que ça fait 4 ans qu'on se fout de ma gueule à cause de cette vidéo. Je vous laisse regarder et jugez pas vous-même. Shooter contre Vega Vasquez, vous affrontez Clark Killer. Un petit mot sur le match? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai battu Vega Vasquez, l'homme qui n'avait jamais perdu dans cette magnifique fédération. Clark Killer n'a jamais gagné aucun match. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il n'a juste aucune chance. Oh mon dieu. Badass ou pas? J'ai battu Vega Vasquez. On s'en bat les couilles. Luc Besson, t'as toujours mon numéro hein. Ce qui compte, c'est que le 26 octobre, je vais te démolir. On se voit à Halloween Night. Pire jeu d'acteur, pire coiffure, pour en tout cas 40 minutes de tournage. Après m'être foutu la honte, c'est au tour de Thomas et Ed. Ah oui les gars, j'avais pas à vous louper. Excusez-moi monsieur Carter, où allez-vous? Je vais investir. Je peux vous suivre? Ouais, viens. Pas de problème. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a avec?
Oh là là, regardez Thomas le gangster. Regardez juste. Regardez-moi Thomas sans barbe actuellement. Là, en train de faire la racaille. Oh là là, Ed, el patron. Besson, tu veux aussi le numéro de Thomas? Donc voilà, ça c'était mon premier match, le tout premier match de championnat qu'il y a eu à la GTW. Oh là là, le pire move d'Europe. Oh mon dieu, je suis vraiment horrible. Oh! Et ça c'est... Bim. Meilleur move d'Europe par contre là, les gars. Bon là j'étais le pire spear d'Europe. Et ouais, du coup je suis devenu le tout premier champion de GTW. Du coup après j'ai dû revenir pour faire un deuxième match, c'était un peu plus court celui-là. Du coup je devais recommencer le match. Et ouais, coup de chaise les gars. Et là, là à la base je voulais essayer d'éviter de lui faire mal, mais je lui ai ramassé le dos le pauvre. Désolé Denis hein. Je sais que t'as pris bien cher avec ces coups de chaise. Après ça, j'ai dû affronter une troisième personne. Oui, c'est Thomas. À la base, Edix devait affronter Thomas, sauf que Thomas s'est fait mal au bras, en vélo d'ailleurs. Et du coup, c'est moi qui ai affronté Ed. Et en fait, Ed, il faisait le mec bourré. Il faisait genre qu'il était trop bourré. Il le fait très bien d'ailleurs. Parce qu'on est dans le cash, on évite de s'appeler par nos vrais prénoms. C'est ça que moi, il appelle, même maintenant, il m'appelle Killer, alors que moi, plus intérêt. Mais à la base, Eduardo, son nom de catcheur, c'est Eddie Martin. Et lui, en plein match, il sort. Ouais, Eduardo. A à Z. Tout simplement. Et Thomas, pendant tout le show, il a fait... De plan de A à Z, c'est aussi simple que ça. T'as bugué là, Thomas. Excusez-moi, monsieur général manager. Excusez-nous, monsieur et madame public. C'est aussi simple que ça, on a vu une opportunité, on a saisi. Et là, à ce moment-là, Eddie Martin et Clark Killer n'avaient pas se rendre compte que Clark Killer allait faire un des pires moves de toute l'histoire du catch. Voilà, voilà. Et j'ai même pas eu mal. Attention. Eddie Martin et Dix a failli me détruire la nuque. T'as tout compris, de A à Z. De A à Z, mesdames et messieurs. Fais quand même attention, j'ai eu tellement de la chance de m'être retourné au bon moment avant que Ed écrase sa jambe sur ma nuque, sur mon cou du coup. Ah, un bon moment est en train d'arriver, les gars. Il va se passer un moment. Ou même à l'heure actuelle, Ed m'en veut encore d'avoir fait ça. Vous allez très vite comprendre ce que j'ai fait. Alors ça c'est rien les gars, c'est rien à côté. Et ouais, la raison, Clark Killer, dans ta face! Désolé, Ed. Hein. Je m'en veux encore de ce coup de pied dans la gueule.
Ed, on n'aurait jamais dû faire cette prise. Je suis trop gros pour porter cette prise. C'est vrai qu'elle a raison, la meuf en public. Très mauvais vendeur de prise. Je vais prendre une grosse prise et moi je m'enlève direct. Après on dit que j'étais à mon catcheur, hein. Je suis pas d'accord. Eh, je me suis pris un bon spire, les gars, là. Ah, il était beau celui-là. Oh, mais elle fait tellement mal en faisant ça en plus. C'était vraiment assis sur mon beat et ça m'a fait putain de mal. J'ai mon titre et j'ai arrêté de catcher parce que j'avais plus le temps avec le boulot et tout. Et du coup, je suis devenu arbitre. C'est le gros lard! Les gars, c'est le gros lard! C'est dans ce moment-là que je me dis que je regrette pas d'être en train de faire un régime. Hein. Synchro ou pas? Synchro ou pas? Oh, toujours synchro, hein. Gros, gros mais synchro, hein. Même comme arbitre, on ne me respecte pas, c'est terrible. Et maintenant, je vais vous laisser quelques moments de Thomas et Eduardo. Faites tous comme lui. Allez, prends le chien. Comme lui. Ça coupe pas les cheveux, pas aussi. C'est quoi cette chute? Vas-y, putain, ton portugais de merde! Là, là, là. Là, dans le chantier. Ok, très bien, maintenant faites des groupes de deux. Ouais, chef, personne ne peut avec la rate. Et évitez les duos de pédale aussi, parce que les attouchements, c'est. Ok, Thomas et puis Fabio, sur les tapis. Je dis pas de pédale. Thomas et Eduardo ne sont pas homophobes, ne sont pas racistes, c'était justement pour cette vidéo qu'ils ont fait ça. Juger soi-même, à se connaître soi-même, à moins d'essayer de juger une personne. Et commencez à vous connaître vous-même et vous vous rendrez compte à quel point vous êtes différent de ce que vous pensez être. Merci Miguel. Eduardo, un commentaire? Merci Eduardo. Et j'aimerais finir cette vidéo à nouveau par Thomas et Dix qui racontent des blagues. Tiens d'ailleurs. Quoi? C'est pas ce qu'on m'a raconté l'autre jour. Ah vas-y. Un black? Ouais. Qui a trouvé du travail ici. Oh ma gueule. L'autre jour, j'ai vu un van. Il y avait trois plaques dedans. Tu sais qui conduisait, mais. La police. Ah, chutez. Des chutes. Et la voix. Eduardo, grand professeur. Grand professeur, Eduardo. Attends, c'est bon, je te jure, je vais te la sortir, c'est bon. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai pas fait grand chose non plus, mais voilà, j'ai arrêté le cash parce que j'avais plus de temps. Et puis là, j'ai un peu moins la motive, j'avoue que j'ai quand même un peu moins la motive de le faire. Mais n'empêche que tout ce que j'ai fait en cash était vachement cool. Avec Thomas, Eduardo et tous les autres, c'était vachement
des putains de moments que j'ai passé. J'ai kiffé faire du catch, franchement, j'ai vraiment kiffé. Parce que je suis un grand fan et d'avoir fait du catch, ça m'a vraiment fait plaisir. J'aimerais remercier la GTW de m'avoir autorisé à utiliser les images, pour une fois que je demande l'autorisation. Si vous voulez voir les autres vidéos, voir les vidéos en entier, je vous mettrai le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt.